à tous, c'est Eric Lagoche et Galago Music. Aujourd'hui pour vous, un petit peu de piano avec le morceau Chum Chaminé, qui en anglais se prononce Chim Chim Cherry East Wind. Un morceau écrit en 1964 par les frères Sherman pour les besoins du film Mary Poppins. Ma sœur et moi l'adorions quand on était petits, n'est-ce pas Carole? Et j'ai justement découvert très récemment qu'il y avait un biopic qui existait à ce sujet qui s'appelle Dans l'ombre de Marie, qui est sorti en 2014 avec Tom Hanks notamment. Et j'ai découvert cette version piano dedans et j'ai carrément flashé dessus. Et je me suis dit que peut-être ça vous ferait plaisir de l'apprendre en ma compagnie. Alors pour ce morceau, c'est pas moi qui ai fait le relevé, j'ai été l'acheter directo chez Music Note, il y avait une partage qui était super bien faite. Mais je me suis permis de faire quelques petits changements pour que ce soit plus facile à expliquer et pour éviter certains détails qui pourraient perdre durant les explications. Bref. À vos claviers! Alors comme d'habitude pour le piano, on va travailler main séparée. On va commencer par la main gauche. Alors repérez que tout le morceau va être joué dans la partie, on va dire, médium aigu, et que le départ de la main gauche commencera sur le do central, le do du milieu, qui est ici sur mon clavier. C'est pas spécialement au milieu de l'écran, c'est vrai, mais je pouvais pas faire mieux pour vous montrer ça correctement. Alors les quatre premières mesures de main gauche, on est dans une mesure à trois temps. La première mesure donnera ceci. 1, 2, 3. Ensuite, deuxième mesure. 2, 3. Troisième mesure. 2, 3 et quatrième mesure, 2, 3. Alors dans le détail, la première mesure, ça fait Do, Sol, Do, 3 noirs d'affilée. La deuxième mesure, vous gardez le Sol au milieu avec l'index, vous descendez le petit doigt sur le Si, le pouce également, et ça donnera Si, Sol, Si. Bravo, vous savez faire les deux premières mesures. 1, 2, 3, 1, 2, 3. La troisième mesure, on va mettre le petit doigt sur le Si bémol, on continue notre progression chromatique descendante. Donc Si bémol et Sol à nouveau, mais là on ne va pas rejouer le Si bémol au pouce, on pourrait, mais l'avantage c'est que ça aère un petit peu l'ensemble. Donc pour la troisième mesure, on fera uniquement 1, 2, 3, voilà. Et la quatrième mesure, on continue notre descente chromatique, on met le petit doigt sur un La, d'accord, et on va faire La, Fa, cette fois-ci l'index a changé de note, et La au pouce. Donc la troisième et quatrième mesure, 1, 2, 3, et 1, 2, 3. 3. Les 4 premières mesures de main gauche d'affilée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Sur la troisième mesure, quand on fait le Si bémol Sol, moi je le fais avec petit doigt et index. Vous pourriez faire éventuellement petit doigt et pouce si ça peut vous arranger. Ça fait un écart un petit peu moins grand. La main droite à présent, donc on commencera également sur un Do qui est une octave au-dessus du Do du milieu. Voilà, celui-ci. Et ça donnerait ça. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Alors un peu moins vite, mesure 1 et 2. 2, 3. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. La mesure 3 et 4, on rejoue encore le Sol sur le premier temps. 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Les 4 premières mesures en comptant bien les temps. 1, 2, 3, et 1, 2, 3. 1, 2, 3, et 1, 2, 3. On essaye mains ensemble ces 4 premières mesures. Ça va donner ceci très lentement. 1, 2, 3, et 1, 2, 3. 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Cool. Donc ensuite, on retourne main séparée pour les mesures 5 à 7. Pour la main gauche, ça donnera donc ceci, la mesure 7, La bémol et Fa en même temps. Et on va faire durer ça 3 temps. 1, 2, 3. Ensuite, la mesure 6, on va faire Sol et Mi bémol en même temps. Ça va durer 3 temps aussi. 1, 2, 3. Et la mesure 7, on va vers Fa et Ré, qu'on joue aussi en même temps et qu'on fait durer 3 temps. Bravo. 1, 2, 3. Donc, mesures 5, 6, 7 donneront 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. La main droite à présent sur ces mesures 5, 6, 7 donnera ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, fin. Donc dans la mesure 5, je tape le premier temps avec Do et Fa, pouce 3 en même temps, comme ça, après je joue Sol avec le 4, Re, Fa avec le 3, et durant les 3 temps, le pouce, comme vous l'avez constaté, est resté enfoncé. 1, 2, 3, ça fait une petite résonance très jolie. Dès que vous avez fait ça, vous déplacez toute la main droite et vous allez sur Sol et Mi bémol en même temps, qu'on va faire durer 2 temps, c'est une planche. 1, 2, suivi de Fa, Mi. Donc petit doigt sur le Fa, quatrième sur le Mi bémol. Donc 1, 2, 3,
Et dès que vous avez fait ça, vous déplacez votre pouce 4 sur Fa et Ré de cette façon. Et vous jouerez ceci, Fa Ré, Mi bémol, Ré. Et comme dans la mesure 5, mon pouce est resté enfoncé pendant les 3 temps. Fa Ré, Mi bémol petit doigt, Re 4 sur le Ré. Voilà, on a fini la mesure 7. Donc récap des mesures 5, 6, 7 pour la main droite. 1, 2, 3, mesure 6, 1, 2, 3 et mesure 7, 1, 2, 3, yeah. Les mains ensemble, alors mesure 5, 6 et 7, pas vite. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3, hé hé. Donc faites gaffe au déplacement dans ce passage-là. Quand on est sur la mesure 5, bon bah là ça va. Quand on arrive sur la mesure 6, la main droite doit se déplacer sur sol mi bémol, ce qui n'est pas à côté. Et la main gauche joue également sol mi bémol, ce qui est un bon petit point de repère, histoire de ne pas se paumer. Donc 1, 2, 3, et quand vous avez fait ça, la main gauche fera fa ré, et la main droite fa ré aussi. Là pareil, petit point de repère. 2, 3, voilà. Alors démo depuis le début. 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, mesure 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et on va attaquer la mesure 8 qui donne ceci, attention, mesure 9, ah, alors ces deux mesures-là, elles ne sont pas forcément évidentes, il faut bien faire attention. La main gauche va donner ceci. On démarre avec des croches. Do, Mi, Sol, Mi. En le comptant. 1 et 2 et 3 et. Ça, c'était la mesure 8. La mesure 9, vous déplacez le 3 sur la note Fa et on fait ceci. Fa, Do, Fa, La, Do. Deux croches noires. Fa, Do, Fa, La, Do. Suivi sur la mesure 10 de Mi, Do, Sol. Encore une fois, les mesures 8, 9, 10 pour la main gauche. 1 et 2 et 3. Ensuite, 1 et 2 et 3. Suivi de 1 et 2, 3. Bien. À la main droite, sur la mesure 8, on va repartir sur la note Do avec le pouce. Et ça va durer une blanche. Ça va faire 1, 2. Ensuite, 3 et la mesure 9. Des tierces, très joli. Comme ça. Encore. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. D'accord ? Les mains ensemble, les mesures 8 et 9. Tranquillos. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et. Ça au tempo réel. Et voici les mesures 10 et 11 et on est presque sorti de l'intro. On va faire à la main gauche 1 et 2, 3. J'ai donc joué Mi bémol, Do, Sol, comme ceci. Pour le rythme, deux croches blanches. Deux croches blanches. Et dès que ça s'est joué, on tire le petit doigt de la main gauche toujours pour jouer la note Sol basse qu'on fera durer 3 temps. C'est une blanche pointée. Donc mesures 10 et 11. 1 et 2, 3. 1, 2, 3, voilà. La main droite, quant à elle, sur la mesure 10, jouera ceci. 1, 2, 3. Alors en décortiquant, donc à la main droite, un Do mineur, Mi bémol, Sol, Do. Clac, de cette façon. Dès que ça s'est joué, sur le deuxième temps, je vais refaire un Do mineur, mais à l'état fondamental. Je vais jouer Do, Mi bémol, Sol. Et je rejoue le Sol après. Donc encore. 1, donc mesure 10. 1, 2, 3. Vous voyez, sur le deuxième et troisième temps, le Do et le Mi bémol ici n'ont pas bougé, sont restés enfoncés. 1, 2, 3. D'accord. Et dès que ça s'est joué, sur la mesure 11, on va faire une montée en sixte très sympa qui fait Ré, Si, Bécard. Ah, oh, c'est beau. Après, Mi bémol, Do. Et pour terminer, Fa, Ré. Ah, l'émotion, n'est-ce pas, qui nous étreint. 1, 2, 3. Voilà. Mesure 10 et 11 pour la main droite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, on est quasiment sorti d'affaire. Oui. Alors, les mesures 10 et 11, pas vite. 1 et 2, 3. 1,
1, 2, 3. Cool. Je vous rejoue depuis le début. Donc mesure 1 à 11. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Mesure 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Mesure 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, vous pouvez faire un petit ralenti sur ces trois dernières noires. Et voici ce qui précède les quatre mesures avant que le chant normalement n'arrive. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est vachement cool ça. Alors à la main gauche, vous allez être content. On va faire Do du milieu avec l'index. 1, 2, 3. Ensuite Sol avec le petit doigt. 2, 3. Après Re Do. 2, 3. Et Re Sol. 2, 3. Yes! À la main droite, on va faire Mi bémol Do. Suivi de Mi Sol Do. Mi Sol. Rythmiquement, noir, 2, croche, noir. Ça, c'est la mesure 12. Noir, 2, croche, noir. Ensuite, la mesure 13, Fa, La bémol, comme ceci, après Mi bémol, Sol, avec 2, 4, et Ré, Fa, avec pouce 3. Mesure 12 et 13. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et sur les mesures 14 et 15, c'est quasiment la même chose, sauf qu'au lieu de commencer le premier temps sur Mi bémol Do, on va commencer uniquement sur Do au pouce, c'est-à-dire sur 14 et 15, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous avez vu, c'est tout pareil, si ce n'est que j'ai commencé avec un Do au pouce. 1, 2 et 3, 1, 2, 3. Les mesures 12 à 15, main droite, 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Et là, uniquement 2 au pouce. Voilà. 2 et 3. 1, 2, 3. Avec les deux mains. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Rendu là, c'est là qu'on va commencer à chanter Cem Cemine, Cem Cemine. Ce coup-ci, on va déjà voir la main droite pour les mesures 16 à 19, parce que vous aurez comme point de repère le chant, la mélodie principale. Do, sol, 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 la, sol, fa, 2, 3. La main gauche en dessous fera ça. Do, mi bémol, sol, mi bémol, si, mi bémol, sol, mi bémol, si bémol, mi bémol, sol, mi bémol, la, do, fa. Je lis. Donc sur la mesure 16, j'ai fait 2, croche, noir, noir, sur Do, sur un accord de Do mineur. La mesure 17, j'ai descendu mon petit doigt, je fais exactement pareil. Si, Mi, Sol, Mi, d'accord. Après, je redescends mon petit doigt encore chromatiquement sur un Si bémol, je refais la même chose. Si, Mi, Sol, Mi. Et enfin, sur la 19e mesure, ça change un petit peu, un accord de Fa majeur basse, La. On va faire La, Do, Fa. Là, rythmiquement, c'est pareil, par contre. 2, croche, noir, noir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mains ensemble, pas vite. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Mesure 20 à la main droite, on va rejouer le Fa sur lequel on va placer plutôt le troisième doigt et on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, et 3, Sol. Ah, comme c'est beau! Fa, Sol, Fa. Mi bémol blanche, 2, croche, Ré, et Do dièse, Ré, Sol, 2.
3. La main gauche, quant à elle, va faire, alors à partir de la mesure 20, la, do, fa. Après, attention, sol, do, mi, sol. Un grand do mineur renversé passe sol. Alors encore, mesure 20. La bémol, do, fa, deux croches blanches, deux croches blanches. Après, quatre croches d'affilée, sol, do, mi, sol, 3. Et on tient le sol enfoncé sur le troisième temps. Mesure 22, on va chercher le fa dièse et on va faire fa dièse, la, ré. Très joli cet effet-là. Donc un accord de ré majeur, basse, fa dièse. Donc fa dièse, la, ré. Et attention, la petite gamme très jolie qui va faire. Sur la mesure 23, sol, la bémol, sol, fa, mi, ré. Au niveau du doigté, donc je vais attaquer le sol avec le 3, sol, la bémol avec le 2. Dès que j'ai fait ça, je passe mon pouce en dessous sans tourner le poignet, vous voyez. Juste un petit effet de passe-passe, hop là. Il rejoue le sol et comme ça vous avez assez de doigts pour revenir le long de votre gamme de do mineur. Sol, la, pouce, fa. Donc les mesures 20 à 23 pour la main gauche, la, do, fa. Ensuite, les quatre croches d'affilée, sol, do, mi, sol, je les tiens. Ensuite, fa dièse, la, ré, blanche, et la petite gamme, sol, la bémol, sol, fa, mi, ré. Et avec ça, on est presque au bout du morceau. Alors mesures 20 à 23, mains ensemble, donc la main droite commençait sur un fa, et donc la main gauche sur un la bémol au petit doigt. Alors mains ensemble, maintenant mesures 20 à 23, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, et 2, et 3, 1, et 2, et 3, et... Les mesures 24 à 27, c'est exactement pareil que les mesures 16 à 19. Oui! Donc, 1, 2, 3, et 1. Et on se dirige vers la conclusion du thème. À la mesure 28, la main droite va faire do au petit doigt, do, si bémol, la bémol, ensuite do, sol, sol. Et là, on va retrouver la petite montée en sixte qu'on avait tout à l'heure. Ouais. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cool. La main gauche à la mesure 28 va faire la bémol sur le petit doigt, la bémol, mi bémol, la. Donc deux croches blanches après un accord de do mineur basse sol, c'est-à-dire sol, do, mi bémol, sol. Ces quatre notes-là, soit vous les tapez d'un coup, comme ceci, soit vous les arpégez, c'est-à-dire que rapidos de la plus grave à la plus aiguë. Vous voyez ? Et on accélère encore. Ça, c'est arpégé. Comme un effet de harpe, du coup. D'accord ? Si ça, ça vous embête, vous plaquez l'accord uniquement, d'accord ? Donc je reprends depuis la mesure d'avant, la mesure 28. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et la mesure 30, sol, si, ré, fa, que vous pouvez arpéger de la même façon ou plaquer pareillement. Ça, c'est vous qui voyez. Les mains ensemble, de la mesure 28 à 30, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Sur les mesures 31 à 33, c'est exactement comme les mesures 12 à 15. Oui, alors si ça vous revient pas comme ça, c'est normal. C'était le passage, souvenez-vous, qui faisait. D'accord, ça c'est tout pareil. Après, on refait encore. Et ce coup-ci, au lieu de garder la main gauche uniquement sur le sol enfoncé pendant que la main droite fait ses tierces descendantes, et bien la main gauche va monter en mouvement contraire. Sol, la, si, c'est-à-dire. Ça, ça marche bien. Mesure 34, c'était. Alors encore depuis la mesure 31. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, attention, mouvement contraire, 1, 2, 3, ensuite on recommence pareil, mesure 35, pareil avec le mouvement contraire, et on termine les deux dernières mesures en faisant un arpège du feu de Dieu qui fait ça. Ah, c'est beau. Alors qu'est-ce que j'ai fait? La mesure 37, la main gauche fera do, mi bémol, sol, et on garde le sol enfoncé jusqu'au bout, c'est tout. La main droite, elle, va faire do, o, on va redéplacer le pouce sur le ré, parce qu'après il faut faire ré, mi bémol, sol, do. Donc 1, 2, et 3, et ensuite do petit doigt,
Ré do pouce, Sol, Do, avec le 4. Là, après ce 4, je passe le pouce en dessous pour retrouver la note Ré, Mi bémol et Sol. Et heureusement, parce que j'ai bientôt plus de touches là-bas. Donc, 1, 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1. Les mains ensemble sur cette fin. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1. Je vous le rejoue une fois pas vite depuis la mesure 16. Vous vous souvenez, c'était l'endroit où le chant est censé commencer. Donc pas vite du tout. 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 et 2 et 3. La petite descente de gamme. Après ça reprend pareil. 1, 2, 3. Mesure 28. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et après, ça reprend, on est pareil. Le mouvement contraire. Remouvement contraire. Et la petite fin. Ralentissez bien sûr pour la musicalité. Donc là je jouais tout ça absolument sans pédale de sustain. Il faudrait que vous en rajoutiez si possible tous les premiers temps de chacune des mesures. Donc la pédale, la voici, elle est en dessous du clavier, c'est le truc qui bouge là, qui est jaune. Donc j'ai trouvé une astuce: quand elle n'est pas enfoncée, les jaunes, quand j'appuie dessus, elle change de couleur parce que ça fait de l'ombre, elle devient noire. D'accord? Comme ça vous voyez bien ce qui se passe, enfin j'espère, au niveau de l'appui. Donc je vous fais la démo sur l'intro par exemple. Donc au départ vous l'appuyez d'avance, comme ça vous n'êtes pas embêté, elle est noire, formidable. Donc 1, 2, 3, et je vais attaquer le premier temps de ma mesure d'après. Sur le premier temps de ma mesure d'après, la pédale est toujours enfoncée. Par contre, dès que j'ai joué ça, hop, hop, je change vite. Donc, 1, 2, 3, et 1, hop là, 2, 3, hop là, 2, 3, et hop là. Donc ce qui n'est pas évident avec cette technique-là, c'est toujours un tout petit peu en décalé par rapport aux doigts. Les doigts changent de mesure, on a le premier temps, et c'est juste après justement que la pédale va changer. Parce que si je l'enlève à la fin de mon troisième temps, ça va faire ça. 1, 2, 3, et... Vous voyez, ça fait des trous. 2, 3, je l'enlève avant. Ouais, on aura envie de l'enlever en même temps que les doigts s'en vont, mais non, malheureusement non. Avec un petit peu de boulot, ça passe. Je le dis à chaque fois, mais un jour je ferai vraiment une vidéo dédiée juste sur cette technique-là. Allez, pour terminer, petite démo depuis le début. Et du coup, avec la pédale, tout le plan de la fin est vachement plus facile à faire. Dès que vous attaquez le do mineur de la main gauche, vous laissez la pédale enfoncée jusqu'au bout. Et bien voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Ciao !